Barclay, l'actrice Louise Bourgoin et la co-scénariste Neila Guiguet qui va nous rejoindre. Relationship to mountains, which you already tackled in a previous short film, and how you anticipated filming in this very particular setting, and also the co-writing. Tout d'abord, je dis mon émotion, c'est la première projection publique du film. Yes, because this is the film's first public screening. C'était une évidence qu'il fallait que j'aille en montagne. Je me suis abonné aux revues d'alpinisme, tout ça, sans jamais y avoir mis les pieds. Et je voulais être cinéaste et guide d'haute montagne, et faire un film de montagne. C'était un peu mon rêve quand j'étais adolescent. Puis j'ai fait plus du cinéma, j'ai un peu arrêté la montagne. Mais j'ai toujours su que je ferais ce film, enfin, un film que j'ai en tête depuis des années, dans lequel il y a un personnage qui est en montagne qui ne veut plus redescendre. Ça, c'était vraiment une idée même que j'avais il y a 20 ans, pour plein de raisons. Et puis voilà, que je gardais pour plus tard ou pour le bon moment. Et puis après mon dernier film, j'ai commencé à écrire un autre film. Et finalement, je me dis non, le bon moment de la montagne, c'est maintenant. Et j'ai insisté. I had this epiphany as a teenager, and I started subscribing to mountaineering magazines without ever having been in the mountains. And then I knew that later in life I wanted to be a mountaineering guide and a filmmaker. And I always knew that I wanted to make this film someday about a guy who doesn't want to go back down. So it has been over 20 years now, and I always kept this idea for later. But then recently, when I started writing a script for another film, but then I decided that no, it was time for this film to be written. Et presque extérieur en fait au personnage. Et petit à petit, en fait, on s'est dirigé vers une intention qui était plus une intention volontaire, qu'elle soit consciente ou pas. Et Thomas avait une référence très présente qui était le Baron Caché, ce livre dont il me parlait beaucoup, et qui était en fait un personnage qui décide de faire un pas de côté par rapport à la norme, et qui potentiellement peut être dangereux pour la société, parce que si un personnage fait un pas de côté, les autres peuvent le suivre, quoi. Et c'était un peu ça la base du travail qu'on a eu ensemble. Thomas had this very specific idea for the script, but originally it was a little bit different because it was about a man who cannot go down from the mountain, and it ended up being a man who doesn't want to go down from the mountain. So we built Pierre more psychologically because the fact that he doesn't go down is more psychological than physical. It was outside his character at first. So we made it more intentional. Thomas always had this reference in mind. It's a book called Le Baron Perché, in which a character takes a step aside from the norm, and that can it feels like it can be dangerous. It's seen as being dangerous, because then if he does that, he can be followed by others.